Voici maintenant un exemple de dilution. Soit une solution isotonique de chlorure de sodium, isotonique signifie qu'on peut l'injecter, de concentration 7,25 mol par litre. On souhaite en injecter 50 ml dans la circulation sanguine, de volume supposé 7 litres. Le patient en recevant la perfusion va-t-il dépasser la norme de 145 millimoles par litre pour le sodium? Solution. Donc, comme il s'agit d'une dilution, on peut utiliser la formule CMR fois VMR égale CFI fois VFI. On regarde bien ce que l'on a comme données. La concentration est le volume de la solution mère, volume que je mets en litres. La concentration de la solution phi est inconnue et on a le volume de la solution phi déjà en litres. J'exprime l'inconnu CFI en fonction des données du problème pour une formule littérale, CFI égale CMR fois VMR sur VFI, ça me ferait un point. Et je fais l'application numérique. Ça me fait 5,18 10 puissance moins 5 mol par litre. Pour comparer cette concentration avec la donnée du problème, la valeur limite, je peux le mettre en millimol, 5,18 10 moins 2 millimol par litre ou 0,078 millimol par litre. Donc c'est bien inférieur à la limite de 145 millimoles par litre.